Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto carterie. Nous allons faire une carte avec une robe. Alors, je vais vous montrer le dies si je le retrouve. Hop. Alors, c'est avec le dies de chez AliExpress que j'ai reçu. Je vous ai montré. Dans ma dernière vidéo AliExpress. Alors, on va faire aujourd'hui ensemble une robe, une carte avec une robe. Alors, voilà, j'ai fait déjà les découpes et j'ai pris ce bustier ici. Voilà. Il vous faudra une base de carte 14,5 sur 10,5. Un morceau de papier, j'ai décidé blanc, qui fera 14 cm sur 10 cm, des strass et des strass comme ceci. Voilà. Il vous faudra aussi le Happy House Day. Alors moi j'ai pris de cette planche qui vient de chez AliExpress. Il vous faudra de la Versafine. Alors j'ai mis oxyde black, une planche acrylique, du double face et de la colle. Alors moi j'ai pris la colle de la Migros, colle blanche. Voilà. Alors, et aussi il vous faudra un plioir pour plier votre robe. Voilà. Voilà ce qu'il vous faudra. Alors, on va commencer à faire la carte. Donc ça, je mets de côté. Alors, je vais déjà couper mon papier avec mon massicot. Alors, qui fera 14 cm sur 10 cm. Voilà. Je vais prendre ma base de carte et je vais coller mon papier. Pardon, je vais prendre plutôt de ce côté-là. Vous appuyez bien sur votre double face pour qu'il colle bien. Et comme ça, vous arrivez à enlever facilement. Voilà. Voilà. Alors, c'est une carte simple, hein. Il n'y a pas à se compliquer la vie, c'est très simple. Alors je prends mon papier et vous allez voir, il y a des traits et là on va plier. Alors pour celles qui ont ce dies, je vous montre. Alors voilà. Alors, je plie comme ceci. Bien suivre les traits. Je prends là de nouveau. Alors, vous voyez les traits déjà. Voilà. Alors, je continue. Alors, merci. Ici. Voilà. Ok.
le dernier. Voilà. Voilà, j'ai fait maintenant mes plis. Voilà. Alors, je vais bien refaire mes plis. Voilà. Si vous faites pas bien les plis après, ça va rien donner. Voilà. Voilà. Alors voilà, mes plis sont faits. Je prends mon plioir pour bien marquer. Voilà. Voilà, ça a bien. C'est comme un éventail en fait. Voilà. Après, je prends ma colle et je vais coller ici. Alors, ici, je vais juste mettre un tout petit peu, hein, pas besoin de plus. Et ici. Voilà. Parce qu'ici, je ne veux pas coller. Je colle juste les bords, c'est tout. Voilà, je mets là. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Maintenant, je vais coller mon petit bustier. Alors, je ne mets pas vraiment collé, c'est-à-dire contre la jupe. Voilà. Je veux juste laisser un petit passage entre eux. Voilà. Voilà pour ça. Après, je vais prendre ma planche de tampon Happy Use Day. Et je vais mettre comme ceci. Voilà ma planche et je colle juste. Voilà. Je prends ma VersaFine. Voilà. Happy Use Day. Voilà. Bon, j'ai plus besoin de ça. Maintenant, je vais prendre mes strass ici. Voilà. Et je vais prendre les plus fins qui sont ici. Et je colle ici. J'en ai manqué un. Je vais laisser comme celui-là et je vais mettre celui-là là. Hop.
ça sert d'une ceinture. Je vais enlever les petits, ça sera mieux parce que ça fait pas joli. Voilà. Voilà. Et après, je fais la même chose en haut. Ou je laisse comme ça. Non, je vais laisser comme ça. C'est mieux. Après, c'est trop chargé et ce sera pas joli. Voilà. Là, j'ai plus besoin de ça. Je vais prendre cela. Je vais prendre les oranges. Et je les colle. Prenez ici. Voilà, c'est simple et puis c'est joli. Pas besoin de qu'il y ait plus. Voilà. Voilà, la carte est terminée. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, un petit pouce en l'air et partagez si vous avez envie. Et puis, pourquoi pas vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Je rappelle que vous avez encore cette semaine, on est le 23, le 24, vous avez encore vous avez encore 8 jours pour participer à mon concours des 2 ans de ma chaîne, si vous voulez. Pour gagner un lot scrap ou un lot beauté et des produits de chez Action et des produits voilà. Et puis voilà. Alors je vous laisse avec cette vidéo, puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.